vais vous conter mon histoire. J'suis un fermier dans le bout de Saint-Liégois. Pour moi et ma femme, pis nos trois filles, la vie est belle. Le soleil brille, la business marche comme sur des roulettes. Tout le monde aime le lait des vaches à ouellette. Ça fait 40 ans que j'fais mon métier. Rien au monde ne m'empêchera de travailler. De père en fils pour arriver où je suis, j'ai pris des risques. J'essaie de transmettre à mes enfants l'importance des valeurs d'antan. Tous les jours, je prie le bon Dieu de me faire couler des jours heureux. J'ai une confiance de béton en l'avenir. La mort, je la vois certainement pas venir. Comme d'habitude, aux environs 5 heures, une autre grosse journée de travail. C'est mon quotidien d'entretenir le bétail. Mes filles sont parties pour l'école, veulent rien savoir du monde agricole. Ma femme m'a rejoint dans l'étable pour m'aider. Elle est toujours fière. Midi, ma femme a pris la petite Audi. Elle est partie faire des commissions. En partant, elle m'a donné un bec sur le front. Moi, je nettoyais la grosse machine. Je manquais sûrement un peu de caféine. Mon bras s'est pris dans le tordeur. Je suis resté pogné un quart d'heure. Elle a trouvé l'étable ensanglantée. Mon bras était en lambeaux de chair. Ma femme implorait le Saint-Pierre. Moi j'avais déjà appelé l'ambulance. J'étais comme dans une sorte de transe. J'avais même pris le temps de mettre une chemise propre quand les médics ont cogné à ma porte. Je l'ai bien dur, voyez pas l'ampleur de mes blessures. Ils ont essayé de me bullshitter, me dire qu'ils voulaient pas m'amputer. Quand la gangrène a pogné dedans, ça me faisait mal jusque les dents. À me couper le pouce ou la main, moi je pensais juste au lendemain. Est venu me visiter. Après ça, sont retournés travailler. Ils savent trop bien qu'on peut pas se permettre d'arrêter la ferme aux lettres. Me suis retrouvé tout seul dans ma chambre. Je fixais la fenêtre d'un regard étrange. Les rouvert avec mon restant de bras, les yeux fermés. Je me suis crié, c'est prête en bas. Couche sur la ferme, ma femme a maintenant le regard terne. La banque a toutes ses innovaches. La pauvre sans moi, elle en arrache. Ma fille Mélanie est déterminée à un jour la faire remarcher. C'est ainsi que se termine l'histoire de Gilles Ouellet, fermier de Saint-Grégoire.